Bonjour à tous et bienvenue au festival Les 48 Heureusement. On est toujours là, toujours un très beau programme. Vous voyez, ici, on est super bien accompagné. Il y a plein de monde avec nous. Donc, on est là pour l'atelier d'écriture, pour la restitution. Voilà, je vais laisser Laurent Cazanave, qui a géré l'atelier, expliquer un peu comment ça va se passer. Et puis après, c'est parti. À toi, Laurent. Bonjour à tous. Alors, comme on l'a expliqué hier, les auteurs ont tous eu un créneau de 45 minutes d'écriture. Ils n'ont reçu que les deux dernières phrases de l'auteur ou de l'autrice qui les précédaient. Donc, ils ne savent pas ce qui a été écrit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 14 pages en tout qui ont été écrites, ce qui fait 6308 mots. Voilà. Donc, ce qui est pas mal. Donc, je vais vous laisser maintenant. On va se lancer dans la lecture. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est un exercice assez particulier. Après, si on a un peu de temps, les auteurs et autrices pourront aussi raconter leur expérience sur cet exercice, parce que 45 minutes d'écriture avec des contraintes comme juste ces deux phrases, c'était pas évident. Mais on va se lancer dans la lecture. Bonne écoute. Et à tout à l'heure. Hier soir, le soleil s'est couché une dernière fois sur nos portes closes. Les premiers rayons viennent de pénétrer par la maison enfin ouverte. Le pied hésitant, je sors dehors. Machinalement, je cherche ce papier qui m'a tant suivi ces derniers temps. Je n'en ai plus besoin, plus maintenant. Il est là, au fond de ma poche, froissé. Ma main s'accroche à lui. Voilà combien de temps que je n'ai pas marché dans la rue, loin de chez moi, je veux dire, que je n'ai pas pris le bus, le métro. Quel jour sommes-nous? Au loin, la ville se réveille. L'air est pur, respirable. Pour combien de temps? J'ai froid. On est en été, mais j'ai froid. Je frissonne. J'ai envie de pleurer. De prendre le ou la première passante dans mes bras. Mais le souvenir de la distance reste accroché à mon corps. Je croise des passants, passantes avec la peur du contact, la peur, cette peur étrange qui nous a moisi de l'intérieur et qui maintenant coule dans nos veines. Je marche et je respire. Enfin, à grands poumons, je respire. Le soleil se balade sur ma peau, balayant le monde de ses rayons. Le monde a changé. La nature a repris de la place. Zone de guerre devenue zone de paix. Avons-nous changé? Avons-nous retenu une leçon de tout ça? Mon téléphone sonne, lui qui m'a tant accompagné. On me donne rendez-vous dans un café, un bar, un endroit où les tables se touchent, où les gens parlent les uns les unes au-dessus des autres, un endroit où ça crie, ça sent l'alcool, le café chaud et la nourriture. Les bruits des pièces se mêlent aux bruits de machines à cartes. Un café. Notre premier réflexe, se retrouver au café. On a été enfermé et on veut se retrouver en terrasse devant une bière ou un verre de rosé. Retrouver face à nous un visage non pixelisé, non caché derrière un masque. Les journaux continuent leur décompte macabre, notre quotidien depuis si longtemps. Un autre texto, un autre rendez-vous. Le soleil se reflète sur mon écran, je marche depuis longtemps, je ne sais pas où je vais. Je flâne, ça fait du bien de flâner, de sentir le vent et de croiser du monde. Je dis bonjour à tout le monde. J'ai besoin de leur parler, j'ai besoin de prendre des nouvelles, j'ai besoin de ressentir la vie face à moi. Je me mets à courir, j'ai chaud, je cours en hurlant bonjour à tout le monde. Une certaine image de la liberté, une certaine vision du monde. Dans ma poche, mon attestation de sortie est toujours là. Je la sors et la jette dans la première poubelle. Ne plus la garder, plus besoin. Juste besoin de courir et d'aller le plus loin possible de chez moi. Sur un banc, dans un parc, une vieille femme. Face à elle, des jumeaux jouent au ballon. Ils crient.
Marie-Noëlle, il faut que tu actives ton micro, on ne t'entend pas. Marie-Noëlle, est-ce que tu m'entends? Alors, on a un petit souci technique. On va faire des petits signes à Marie-Noëlle pour qu'elle nous voit. Tu nous entends, Marino, ou pas? Il y a un petit souci. On règle ça, mais comme ça, ça vous met un peu en, ça vous tient en haleine pour la suite. Vous voulez découvrir ce que Marie-Noëlle a écrit. On va vite le découvrir. Alors, est-ce que Marie-Noëlle a l'air bloquée dans sa connexion pour nous? Oui. Eh bien, en attendant, est-ce que quelqu'un a une petite blague à nous faire? Marie-Noëlle, tu nous entends? Attends, on ne t'entend pas là, Marie-Noëlle. Non, on ne t'entend pas. On n'entend pas. Non, du tout. Peut-être débranche le casque et parle avec le micro de l'ordi, peut-être. On va voir si ça marche. Vous m'entendez mieux? Oui. Là, on t'entend. Voilà. Parfait. Ah, alors, c'est formidable. Alors, je reprends où? Au début. J'ai couru dans ce parc sans réfléchir. Qu'est-ce que je fais là? Au milieu des jeux d'enfants, au milieu des familles, des poussettes, des vélos, des trottinettes, au milieu des cris. Je regarde le gros ballon rouge. Je ferme les yeux. Un ballon pour jouer sur la plage. Jouer sur la plage, voilà ce que je devrais faire. Partir au bord de la mer, l'eau salée, marcher dans les vagues en longeant la côte. La première chose à faire, c'est partir le plus vite possible vers la mer. Partir le plus vite possible. Et pendant ces longues semaines, je me suis promis que je ne reprendrai pas cette course effrénée. Alors, pourquoi partir? Et si la première chose que je faisais, c'était rien. Savourer le bonheur de pouvoir choisir et choisir le rien. Le rien ou presque rien. Prendre le temps de rêver, d'attendre, de ne pas courir, de ne pas être en retard, de ne pas être noyé sous une tonne de trucs à faire au jardin sans mauvaise conscience. Un rien où je ne sais pas ce qu'on mange aujourd'hui, demain ou après-demain. Un rien où je ne sais pas quelle heure il est. Un rien où je ne sais pas où est mon téléphone, s'il est éteint ou allumé. Donc, je choisis de m'allonger dans le jardin, de sentir le vent sur mon visage, de fermer les yeux. Attendre d'avoir envie de faire quelque chose. Bon, quelque chose loin du monde. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que cette envie de faire, lire, jardiner, cuisiner, peindre, écrire. Mais je sais que je ne veux pas me sentir dans la foule. Bon, la foule, j'imagine tous ces gens qui ont envie de sortir, parler, boire, se serrer, parler fort, crier, chanter, se rassembler, se rencontrer, se retrouver. Se retrouver. J'ai envie de me retrouver avant de retrouver les autres. J'ai envie de choisir mon rythme, de ne pas me précipiter vers les autres, de ne pas dépendre des autres. Rester seule un peu. Savoir que je peux sortir et que je choisis d'attendre. Bon, et puis sortir. Trouver des gens qui m'aiment. Voilà pourquoi il faut prendre le temps pour ne pas se tromper. Bon, il y a des gens dont on s'est passé si longtemps qu'on peut les oublier définitivement. Juste ne pas se précipiter vers des relations inutiles. Reconnaître mes vrais amis que je vais choyer, épauler, chérir puisque j'ai le temps. Bon, j'ai le temps pour voir les choses que j'ai vues si souvent sans faire attention. J'ai le temps pour écouter les gens que j'ai peut-être ignorés. J'ai le temps pour apprendre quelque chose que je ne connais pas. Temps pour refuser de faire certaines choses. J'ai le temps pour faire une liste de toutes les choses réussies que j'ai faites au lieu de celles que j'ai à faire. Alors, peut-être après ce moment de presque rien, la première chose à faire, une liste des choses dont je suis fière. La première chose à ne pas oublier, prendre le temps.
les premières personnes à voir. Ça, maintenant, je sais. Les premières personnes à voir. Toutes les personnes. Une liste. Toutes les femmes, sœurs, amies, amantes et emmerdeuses. Tous les hommes, frères, amis, emmerdeurs et amants. Ô même vous, les emmerdeuses, les emmerdeurs, vous êtes sur ma liste. Dans ce vide et ce silence, même les pires, je les prends. Tous vous tenir autrement qu'en petites images sur les écrans. Vous tenir et serrer fort jusqu'à avoir mal. Une liste de fantasmes. Tous les fantasmes. Paysages sur lesquels courir avec les yeux. Horizon insaisissable et route. Peau à caresser. Cartes postales infinies de la mer bretonne. Hier, je rêve qu'on me vole mon vélo et que je cours après le voleur. Je suis une policière, j'ai une petite veste bleue, un petit képi. Ça me va très bien. J'appréhende le voleur de vélo avec un sifflet. « Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît ?»« Je n'en ai pas. »« Ah, vous n'avez pas de papiers ?»« Mais par les temps qui courent, c'est très grave, monsieur. »« Il est à vous, ce vélo ?»« Oui, bien sûr, il est à moi. »« Il va falloir le prouver. » Vous avez les papiers du véhicule? Non. Vous allez me suivre au commissariat, jeune homme. Je lui dis avec autorité qu'il a le droit de garder le silence. Il est désirable, jeune, les yeux très noirs, très doux. Je lui passe sensuellement les menottes. Je fouille son sac avec brutalité. J'y découvre de l'acide et du plastique. Je comprends que le voleur est un meurtrier, que je serai sa prochaine victime. Une autre nuit, je rêve. Un hôtel qui est en fait un bus. On dort et on voyage en même temps dans de petits compartiments. C'est la fin du monde. Derrière nous, une lumière orange. On voyage vers ce qui reste de terre. On essaye de ne pas se faire rattraper par la nuit. Nous sommes des gitans qui parlons fort. Une famille. Mon père conduit et moi je ne fais rien du tout. Je suis le mouvement en spectatrice docile. Toujours de la musique quelque part, toujours une chanson. On n'est jamais seul dans sa couche et jamais vraiment endormi. Toujours dans mes rêves, véhicule, trajectoire, frontière qu'on franchit, voyage sans fin, transport. Une autre nuit, un autre rêve, je ne sais plus où j'habite, je suis un parasite. J'habite chez les gens. Le foyer n'existe plus, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Je suis toujours dans un nouveau lit qu'on prête, un lit temporaire. Je découvre les salles de bain des gens, je leur pique leur savon, je prends des bains dans leur baignoire pendant des heures, comme un petit animal. Et je passe de communauté en communauté, de visage en visage, d'appartement en appartement, de lit en lit, de baignoire en baignoire, mon identité se disloque peu à peu. Je ne reste nulle part. Chaque minute est intense comme si le temps allait s'arrêter, mais j'ouvre une porte et je passe ailleurs. La pièce que je découvre est baignée de soleil. C'est presque aveuglant. Je ne connais pas cet endroit. Il m'est inconnu et profondément familier. Des tapis épais, des fleurs sauvages et vénéneuses chantant le désir. Des livres jusqu'au ciel. Des tableaux arrachés. Mon œil cherche dans la poussière du soleil des indices. Où suis-je? Des yeux partout me fixent, suivent mon mouvement. Là, un clin d'œil. Là, un œil d'aigle me transperce. Là, une bille noire ourlée de cils langoureux. Des yeux partout, bleus, noirs, sauvages, inconnus, des yeux. Qui sont ces yeux qui me lèchent ainsi de leur impudeur? Mon âme sursaute d'être ainsi déshabillée. Mes mensonges fondent, je me redresse. C'est une pièce miroir, elle me déforme, me renvoie mon regard étonné. Mes courbes et mon corps se modifient à vue. Mes cheveux sont un fleuve bleu. Mes yeux s'agrandissent immenses. Je me vois en entier, comme jamais. Là, me voilà enfant, yeux tristes et pleins de cœur. Là, je suis millénaire, l'ayant déjà tout traversé, divine indifférence céleste. Là, me voilà pommier et abeille emmitouflée de gouttes d'or, instinct sûr de ce qu'est vivre. Et là, je suis un homme puissant et tuant et aimant, hurlant au ciel, guerrier sauvage. Et là, une femme qui tape et sonne des tambours immenses,
chante dans une langue inconnue. Et là, je suis lionne, puis madone, puis roi égyptien, et là, toute petite mendiante sur les bords du Nil. L'étang s'entrechoque, des grelots, ça tourne de plus en plus vite le vertige. En m'approchant encore, je découvre des bouts de moi, des crochets, des mandibulés. Là, un coude. Là, un œil béant, fruit ouvert, fixe le plafond. Là, mon pied, bosselé, sculpté comme un ours. Là, ma bouche, figée dans un grand cri. Ma bouche me touche, m'émeut. Ce sourire-là, décroché tout seul, toute petite lune sur le tapis. Je m'approche, je prends ma bouche dans mes mains, comme un oiseau qui attend, palpitant. Je l'approche de mes lèvres et je lui donne un baiser. Immédiatement, tous les baisers donnés apparaissent, des foules de baisers, ceux que l'on m'a arrachés, ceux des plus grandes extases, ceux des langues et des rires. Les bouches passent neuves, ridées, petites puis gourmandes, timides et ravissantes, au goût de lavande et d'adolescence. Les tendresses, les fronts ridés, les chevelures humées. Je sens que tous ces bouts arrachés sont à moi, font partie de ce que l'on nomme existence. Visages croisés, aimés, compagnons de route évanouis, mystérieux déjà loin, mémoire et couche du temps à recoudre, à tisser, à guérir. À boire pour ma terre. Leur galop passe le long de mes tempes, leur chant me transperce d'amour, j'en pleure. Toutes ces lianes dans mes mains, c'est moi, c'est la vie ardente qui est là, donnée, énorme, haletante, petit bout du mystère, la vie. Mais tout ça n'est qu'un doux rêve qui s'efface petit à petit, car la vie, je la sens, l'écoute, la contemple. Je la vois passer sous mes yeux sans m'en rendre compte, parce qu'elle est insaisissable, inatteignable. J'entrevois un goût, une saveur sur le bout de mes lèvres. J'essaye de passer ma langue, mais seul le goût de ma solitude, de mes angoisses me reviennent en bouche. Mes lèvres commencent à trembler, et les mots meurent avant d'avoir pu s'exprimer. Je n'ai pas parlé depuis si longtemps que ma bouche en est sèche. Sèche de peur, oui, de peur. Peur des gens et de leurs jugements qui m'ont contaminé l'âme. Ils m'ont rendu malade. Mon corps n'était pas assez fort pour combattre ce mal. Je me suis alors isolée, confinée, seule, avec moi-même, pour ne plus avoir à lutter. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, je lève les yeux et gonfle ma poitrine. Je regarde droit devant moi. Et un pas après l'autre, j'avance. Doucement, pour ne pas effrayer les oiseaux qui dorment désormais dans les buissons du jardin. Je sens l'herbe sous mes pieds nus. Quelle douce sensation! Un rayon de soleil vient me caresser le visage, éclaire ma peau si pâle. Mes yeux se plissent doucement. À 3 mètres, le portail. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière depuis bien trop longtemps. Je me fige un instant, effrayée par une pensée. Et si là-bas, derrière cette porte, on ne m'acceptait pas? Et si on ne me comprenait pas? Pourrais-je alors revenir en arrière et m'enfermer à nouveau? Ou aurais-je le droit à une seconde chance? Me laissera-t-on être qui je suis sans se moquer, sans me juger? Un oiseau vient de se réveiller, il chante. Son chant me rassure, je me raccroche à son sifflement qui accompagne mes pas. Je suis désormais face au portail, il me paraît beaucoup plus grand que derrière ma fenêtre, beaucoup plus impressionnant. Du lierre l'a presque complètement recouvert. Les lianes s'entremêlent entre elles, comme si elles avaient peur qu'on les sépare les uns des autres. J'aimerais que quelqu'un s'accroche à moi ainsi. Autour de la poignée, une araignée a tissé sa toile. Ses petites pattes peaufinent les dernières lignes, la spirale est maintenant parfaite. Mes yeux se concentrent sur ce chef-d'œuvre architectural et soudain ma main se met à trembler. Ai-je le droit de détruire d'un coup de poignet ce nid qu'elle vient de créer, d'arracher ses branches à la terre parce que j'ai décidé aujourd'hui que j'allais passer cette porte? Le vent tente de me répondre en faisant vibrer les fils de soie qui luisent au soleil. J'entends les feuilles frissonner au-dessus de moi, on dirait qu'elles murmurent entre elles. J'aimerais qu'elle me parle, qu'elle me raconte ce qu'elle voit là-bas au loin, qu'elle me rassure, qu'elle me décrive ce que je ne peux pas voir et me fasse entendre ce qui m'est inaudible. Tout d'un coup, un son à la fois familier et lointain me parvient, un bruit de pas, je dirais. Mon cœur s'accélère et se cache sur leur rythme. Ils se rapprochent de plus en plus vite. J'ai l'impression que mes tempes vont exploser quand soudain, tout s'arrête. Mon souffle est coupé,
Je ne peux plus respirer. Derrière la porte, il y a quelqu'un. Bonjour, c'est le Deliveroo. Ah oui, mon cher Richie Saumon. Faut dire que ça faisait plusieurs jours que je bouffais des pâtes et du riz. Il me fallait du neuf, de la fantaisie, du peps. J'ouvre la porte et un frémissement me parcourt la colonne vertébrale. Un livreur, tout sourire, me tend un sac de papier Kraft, méticuleusement agrafé pour épouser parfaitement la forme des barquettes à l'intérieur. Je ne sais pas combien de temps il est resté là, son bras tendu. Je ne sais pas combien de temps mon regard est resté fixé sur ce sac inerte. Il a fini, sans dire un mot, par le poser par terre, tourner le dos, s'engouffrer dans la cage d'escalier et marmonner que je suis en taré. Il faut bien 30 secondes avant que je me décide à bouger à nouveau et à pousser le sac avec le bout du pied à l'intérieur. Quel inconscient j'ai été. Faire venir quelqu'un, ici, en ce moment, avec tout ce qui se passe. Et encore, on ne sait pas tout. Surtout qu'on dit beaucoup de choses, surtout des bêtises, sur ce sujet-là et sur d'autres, mais surtout sur celui-là. Mais surtout lui, quel inconscient. Qu'est-ce qui leur prend tous de continuer à travailler comme ça? Des héros de guerre. Encore un qu'il faudrait applaudir à 20h. Sauf que moi, je donne sur une cour extérieure. Et il n'y a pas gros monde depuis l'exode urbain. Les deux premiers jours, j'ai bien applaudi tout seul, mais ça ne rend pas du tout pareil que sur Internet. Comme l'impression d'être l'unique personne d'un public d'un soir à avoir apprécié une bien mauvaise pièce ou un bien mauvais opéra. J'ai vite arrêté. Surtout que le vieux fou du troisième, escalier A, a fini par sortir sa tête pour me demander d'arrêter et me traiter de petit enculé. Cela ne change rien à mes affaires. Le sac est toujours là. Par terre, devant la porte d'entrée. Je crois qu'il me nargue, ou plutôt qu'il nous nargue tous. En temps de guerre, j'ai vu ça dans un reportage, il faut se méfier de tout. Il faut faire comme si on ne connaissait rien, ni personne. Repartir de zéro, regarder chaque objet, chaque coin de terre, comme s'il renfermait un piège. Une mine antipersonnelle, des bombes prêtes à nous péter à la gueule. Car tout le problème est là. On ne devient pas un héros simplement en mourant. Il faut avoir fait quelque chose de grand avant. Sinon, la mort ne sert pas à grand-chose. Et j'en suis pas à ce stade du confinement où j'ai commencé à avancer sur mes projets personnels. Je suis encore dans la phase où je me remets de ma phase de chômage partiel à coups de films, séries et autres vidéos plus ou moins utiles, parfois même plus ou moins pornographiques. Oui, j'avais tout fait ce qu'on m'avait conseillé pour, à défaut d'être heureux, être tranquille. Compte Netflix, OCS, HBO, Steam, Canal+, Disney+, Pornhub Premium, YouTube Premium, Amazon Prime. Mais ça, c'est pour l'échauffement. Car j'ai prévu de lire dans un second temps Proust, Montaigne, Chateaubriand, la Bible, le Coran, la Torah et les poèmes de Jacques Prévert qui traînent depuis plus de 20 ans dans ma chambre au fil des différents déménagements de mon enfance, adolescence et de ma jeune vie d'adulte. J'ai aussi prévu d'apprendre l'italien, par solidarité avec eux. L'espagnol, car ils ne sont pas mieux lotis. Le coréen, car j'admire leur gestion de crise. L'arabe aussi, car je prévoyais un tour de Méditerranée. Et, si j'ai le temps, le turc et le grec moderne. Après, et seulement après, je pourrais devenir un héros. Mais en attendant, je n'ai toujours pas réglé le problème du sac. Pourtant, à bout de souffle, elle ne s'arrêta pas. Ses poumons étaient en... Ses muscles qu'elle croyait oubliés la punissaient de les avoir si peu chouchoutés ces dernières années. Elle avança en boitant jusqu'à être sûre que l'homme au collant beaucoup trop serré à son goût et au masque ridicule ne puisse la retrouver. La jeune femelle se faufila sous une haie épaisse et entra par effraction dans un parc municipal. Elle était trempée. Elle mit du temps à agripper le zip de la fermeture éclair du sac, tellement ses mains étaient moites. L'impatiente fit tout de même une légère pause avant de l'ouvrir. Si ses sources étaient bonnes, elle avait entre ses mains, moites, certes, mais tout de même, le plus grand secret depuis l'ouverture de la boîte de Pandore. Elle en était persuadée. Quel idiot, pensa-t-elle. Depuis que la porte de sa cage avait été ouverte à nouveau, elle rasait les murs de peur d'entrer en contact avec l'un d'eux. Qu'ils étaient laids. Lui ne l'avait pas vu. Toutes les solutions pour le bonheur de l'humanité réfléchies par les plus érudits des hommes, qu'il disait. L'enfermement des corps n'avait apparemment pas touché les esprits. Et tout ça dans un pauvre sac, même pas étanche en plus. Elle ferma les yeux. Une seconde, deux secondes, trois secondes. Qu'à stop, elle n'en pouvait plus. Quand elle les ouvrit, le sac était ouvert. Plusieurs cahiers scolaires en vrac, les pages froissées, pliées, cornées. Elle en choisit un au hasard, le rose, on ne se refait pas. Il était rempli de sigles, de formules mathématiques,
de descriptions en pattes de mouche et de dessins d'enfants. Beaucoup de dessins. Ça, au moins, elle les comprenait. Elle se mit à rire. Qu'est-ce qui lui avait pris ? Un chimpanzé n'est pas fait pour sauver l'humanité. Passe-moi. Je lui avais pourtant interdit de boire, mais il ne m'écoute jamais. Je n'aurais pas dû lui laisser la parole. Je vais devoir reprendre les choses en main. Et ce n'est pas parce que le grand jour est arrivé qu'il faut dire n'importe quoi et s'enivrer. Oui, le président l'a annoncé. Le confinement est terminé. Il faut remettre l'économie en route. Il faut repartir du bon pied, ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Profiter de l'après-confinement pour apprendre à vivre autrement, à vivre mieux, à vivre ensemble. Mais n'oublions pas, le virus est toujours là. À l'affût, il attend le moment propice pour refrapper à nouveau. Restons vigilants et tout se passera bien. Mais l'heure tourne et il faut prendre des décisions. Pour l'environnement et pour l'humanité, regardons ce qui vient de se passer. Et Covid-19, c'est son autre code. Cet ennemi invisible a mis en danger l'économie mondiale. Il a cloué au sol la presque totalité des avions. Seuls quelques véhicules circulent encore. Les principales activités polluantes sont à l'arrêt. L'air n'a jamais été aussi pur. On entend les oiseaux chanter. Demain, à nouveau le bruit, la pollution, les gens pressés, la compétition. Est-ce cela que nous voulons ? N'allons-nous pas à nouveau dans le mur ? C'est un superbe mur, toujours droit devant nous. Un horizon commun, notre cher patrimoine. On le convoque, on le nourrit. À table, entre le vin et le fromage. Sur le perron, en parlant aux voisins. Devant l'école, avec les autres parents. C'est notre religion. Interliguerée, c'est elle qui nous unit. Et nous la mâchonnons, en acquiesçant ensemble et sans l'ombre d'un doute, que ce mur nous resserre et nous prend en étau, qu'il est notre unique lien et qu'il s'appelle Fatoum. On peut rêver de fleurs, on peut rêver de plages, on peut dans le sommeil trouver quelque repos, mais le mur se réveille à l'intérieur de nous, dans les cœurs et les âmes de l'immense collectif. Dans chaque montée, et dans chaque descente de soleil. C'est la malédiction du mur omniprésent. Et tous, nous partageons le coupable désir qu'on y aille bien plus vite pour ne plus avoir peur. La nuit, se régénère en tous la propension du mur. Le désir de chaos grandit sous nos paupières. Et quand vient le réveil, on se rassure ensemble, car tout va bien encore, puisque nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, non. Les voisins n'ont pas arrêté de babiller tout l'hiver. Et ça a bâillé, ronflé, à faire trembler la terre, all day and all of the night. On a sous-estimé les réserves l'été dernier. Je me suis fait réveiller par les gargouillements au ventre pendant mon sommeil, pourtant lourd de chez lourd. Alors non, nous ne sommes pas seuls, non. Le voilà, ce sacro-saint été. Waouh ! Les premiers rayons de l'été qui percent l'entrée du terrier sonnent le glas de la fin de l'hibernation. J'aperçois au loin la montagne et son chapeau blanc. Je renifle les premières odeurs estivales. J'accommode mon poil soyeux. J'ai une ligne d'enfer, on dirait un écureuil. Je me redresse sur mes pattes, chien tête en bas. Je respire à fond, une salutation au soleil. Et j'y vais. Je me lance. Je sors de cet interminable terrier. Le ciel est d'un bleu électrisant. Les rayons de soleil me brûlent les yeux, chatouillent ma fourrure et j'aperçois le long de la plaine, les autres familles de marmottes qui pointent peu à peu leurs museaux. Bon, état des lieux. Primo, j'ai un appétit d'ours. Mission mulot grillé. 6 mois sans rien avaler, pas même un gratin de pissenlit ou un champignon à la carbonara. Deuxio, mission retrouvée, âme qui vive, un copain, un voisin, quelqu'un quoi. 6 mois sans ragot, 6 mois sans jouer à bouquetin perché, 6 mois de solitude totale. Tertio, se méfier du renard et de l'aigle royal. Ils n'oublient rien de leur instinct, ceux-là. Et leur appétit féroce risque de me coûter cher. Bref, vis ma vie de marmotte. Ah, je sens qu'il est bon cet été. Je retrouve les sensations perdues des longues journées à gambader dans l'herbe. Des cousinades heureuses jusqu'à ce que la lune nous éclaire. Des virées au Ranger King. C'est décidé.
Je savourerai chaque instant, car je sais que bientôt, il faudra déjà faire les réserves pour retourner se blottir, se confiner pour l'hiver entier. Pas si mal, la vie. Le matin. Enfin. On est vendredi, un ciel bleu comme neige. On est en août, soleil et tout le bazar. Du bruit dans la rue, comme un poème de... Hé, reviens ! Ça court dans la rue. Non, désolé, monsieur, pas aujourd'hui. La vie paraît normale dehors. À l'intérieur aussi. Tartines, café, radio même. Aujourd'hui, c'est presque de la magie. Je claque la porte, comme si de rien n'était. Je ne sais pas exactement où je vais. Dehors, oui, je vais juste dehors. Rien de prévu aujourd'hui, non. Je vais juste dehors. Trottoir, devanture, odeur de... un monsieur à moustache. C'est drôle. Pas drôle en soi, un monsieur à moustache. Juste une belle moustache, c'est drôle. Klaxon. Tu m'avais pas manqué, toi. Le klaxon en rétorque au tac, ta gueule. Ça m'étonne pas. J'ai toujours trouvé ça vulgaire, les klaxons. La façon dont ils vous parlent, dont ils vous regardent aussi, avec leurs gros yeux sévères. J'aime pas les klaxons, surtout ceux qui portent des lunettes. Droite, gauche, gauche. Je connais le chemin par cœur. Pas besoin de réfléchir. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, j'ai traversé cet océan de solitude. J'y suis habitué. Je n'aime pas beaucoup la foule. Je suis comme Robinson. Je ne parle pas à un ballon, non! Moi, je parle à mes plantes. J'en ai des centaines, des milliers. Je cultive les orchidées, comme d'autres leur corps sur un vélo futile ou un tapis volant bridé. J'y consacre tous mes après-midi. Elles me le rendent bien. Elles m'offrent chaque jour un tableau impressionniste. Quelle richesse! Les couleurs, c'est la seule chose qui compte. L'espèce humaine m'a dégoûté. J'aurais voulu rester dans l'enfance. La perte de ma naïveté, elle a été la plus terrible des épreuves. Les plantes sont bien plus fortes que les hommes. C'est comme les fourmis ou les scorpions. Elles nous survivront. Les chênes vivent des centaines d'années. Quel est leur secret? Cette crise rappelle à l'humanité qu'elle est fragile. On a fait les malins à découvrir toute la surface de la planète, à grimper à 8848 mètres, à plonger au plus profond des océans et à aller sur la Lune. Mais l'infiniment petit nous rappelle à notre condition et nos vulnérabilités. Ah, la mondialisation! Quel progrès extraordinaire! On y croit tellement qu'on se passe de faire des stocks de masques. Ah, nous faire avaler des couleuvres! Ils sont forts! Vous voyez de qui je veux parler? Soudain, un masque peu efficace, sur 4 heures, est bon pour la journée. Pas de problème, non, pas de problème, vous dis-je. Moi, j'ai pas besoin de masque. Même mon masque social, je l'ai laissé au vestiaire il y a quelques années. J'ai tout plaqué, tout arrêté, marre de leurs conneries. Maintenant, je me lève aux aurores, je m'agrippe à l'arrière de mon camion. Je paye ma part à la société. Je profite de la ville déserte, des hautes lumières. Ah ouais, je vois. On est d'humeur lyrique. Ouais, ça t'inspire pas toi tout ça? À vous. J'avoue des envies folles, d'évasion, d'envoler. Ah, tu vois? De voyage sans valise ni voilure déployée. Envie de me faire mener en bateau, hébété, ébahi, esbaudi devant tant de beauté. Envie de voir ailleurs, si j'y suis, pourquoi pas. Envie de prendre mes clics et mes claques et basta. C'est peut-être un peu... Envie de stationner, mais sans attestation. Envie de musarder, mais sans limitation. Envie de piaf puffy qui piaille à qui piou-piou. Mais piaf comment tu dis? Envie d'un ciel azur sans vitrage entre nous. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. J'ai des envies d'errance, de sortie, de vadrouille, de promenade, de vire et je parle pas d'andouille.
envie de balade nature, sans toit ni toiture. Tu crois qu'il manque un pied ? Il y en a 12, je t'assure. Pour moi, tu sais la poésie. Envie de mettre des baskets, d'aller marathonner. Non, ça non. Je rigole. Tu me connais. Je veux bien faire du fitness, du yoga, du pilates, mais pas sur le bitume, aller muser les pattes. D'ailleurs, j'ai trop d'abdos. Les pecs, j'en parle même pas. Je rentre plus dans mes maillots. Je craque mes pyjamas. Je rêve de régime, de diète et de détox. On craint la pénurie de bouffe ? C'est de l'infox. Non, il paraît qu'il n'y a plus de farine. Je cuisine sans arrêt. Des meringues, des petits plats. Et heureusement que je me bouge, sinon bonjour Bouddha. J'ai des envies de resto, de cinoche, de musée, d'un bon chai en terrasse, d'un scone au salon de thé. Oh la boubou ! J'ai des envies de fiesta, de soirée entre amis, d'alexandrin où l'amour danse avec la nuit. Envie d'aller me coucher. T'as pas assez dormi. D'embrasser ma maman, mon frère, mon autre fille. De reprendre Jean Lachance, de revoir les copains. Parce que comme dit l'ami, l'important, c'est l'humain. En même temps, j'apprécie les canards dans la rue. L'air pur de l'Île-de-France, sans particules qui tuent. Le silence absolu qui rend les nuits paisibles. La haine 118, curieusement inaudible. C'est fou quand on y pense et quand on y réfléchit, enfin si on a le temps, entre deux pauses pipi. Et je ne dis pas ça pour Goulven qui a tendance à aller faire la petite commission à chaque fois que c'est à nous de causer dans le poste. Enfin, il dit qu'il va aux toilettes, mais en fait non, il va dans sa salle de bain pour s'immerger tout habillé dans sa baignoire. Qu'est-ce que je disais ? C'est fou quand même de se dire quand on y réfléchit, enfin si on a le temps, entre deux pauses pipi. Et que là où Greta pissa dans un Stradivarius, Covid a réussi. Vini, vidi, virus. La planète respire, du moins pour un moment. C'est un petit répit, mais pour combien de temps ? Dans cette tragédie, il y a quand même du bon. Des élans généreux, de géniales créations, des actions solidaires qui prouvent que tout au fond, l'homme a encore du cœur, malgré sa tête de con. Et sinon, t'as essayé la camomille ? Jamais, mais alors jamais, pas même une seconde, j'aurais imaginé que ce roman que j'avais tant dévoré finisse sur cette phrase, sur cette question si banale, si saugrenue. Et sinon, t'as jamais essayé la camomille ? La camomille. Que vient-elle faire ici, cette camomille ? Finir un roman en convoquant la camomille, c'est carrément anti-sexe. Et en cette période souterraine, on a besoin de choses bien sexy, pétillantes, vivantes, qui débordent, enivrantes, telles des volutes de fumée dessinant des arcs-en-ciel imaginaires dans nos cœurs pétrifiés et suspendus. Moi, la camomille, ça m'évoque ma grand-mère. Ça m'évoque les tisanes de mon enfance du mois d'août, quand chacun se réchauffait joyeusement autour de la cheminée. Que l'électricité était encore la grande absente de ce joli chalet en pierre loué par mes parents l'été. Que la lampe à huile trônait sur la longue table en bois pour éclairer nos parties interminables de cartes. Je me rappelle la splendeur de ce chalet. Sa toiture était en lauze. Vous savez, ces majestueuses pierres plates qui s'épousent parfaitement les unes les autres. Ça m'évoque les retrouvailles avec mes cousins-cousines l'été, nos jeux incessants. À proximité du chalet, au bord du menu ruisseau à 8 degrés, se dressait un immense rocher qu'on avait élu comme terrain de jeu. Chaque parcelle du rocher était exploitée. Le renfoncement devenait la chambre des parents. L'aplat à gauche, la chambre des enfants. L'étrange toboggan pente, notre baignoire magique, car une fois allongés, nos orteils goûtaient l'eau glacée. Ce rocher donnait vie à nos scénarios les plus fous. Et surtout, même quand nous étions 10, nous pouvions ensemble réinventer le monde à l'abri de nos parents. La camomille m'évoque ce monde ancien. Ce monde de l'enfance qui semble si lointain et si présent. Ce monde où le silence était roi, où nous, enfants, nous sentions invités parmi les marmottes et les bouquetins. Nous avions appris à nous émerveiller à la vue d'un Edelweiss et en admirer sa beauté, plutôt que de le cueillir et crâner en ayant déniché la fleur rare. Et parfois, au son de la voix de Tom Waits, ou absorbé par les mots de Christian Bobin, je me retrouve face à cette même immensité, à ce même silence, à cette même beauté inénarrable. Alors, je m'arrête. Je marque une pause, je profite.
Je m'efforce de me concentrer sur l'instant présent et les muscles de mes bras se tendent comme si j'essayais physiquement de retenir ce moment. Mais peu importe leur force, les secondes défilent et semblent glisser sur la peau de mes avant-bras. Alors, pour les rattraper, j'essaie de ralentir ma respiration. Mais l'excitation m'en empêche et les vibrations rythmées dans ma poitrine s'accélèrent subtilement. Je tente de garder le plus longtemps possible l'air frais dans mes poumons. Il se réchauffe à l'intérieur de mon corps. Je savoure cette fraîcheur qui s'adoucit lentement, comme les dernières bouchées d'un plat délicieux. Et lorsque l'air se libère de mes narines, j'entends une belle musique sans notes, le son d'un corps en vie. Un corps qui consomme l'air qui l'entoure avec appétit et gourmandise. Même allongé et inerte, il consomme. Il métabolise, il transforme, il libère de l'énergie par microscopique dose, il chauffe, il s'use doucement, en permanence. Impossible de l'arrêter. Impossible de ne pas vivre. J'entends des rires d'enfants, un son familier qui stimule mon réseau neuronal. Je peux presque sentir les signaux électriques qui traversent mon crâne. C'est agréable. Je suis à plus d'un kilomètre de mon appartement. Je n'ai pas d'attestation dérogatoire de déplacement. Je suis à proximité des personnes que j'aime. Je suis heureuse. Un magnifique équilibre entre plénitude et délicate frustration. La frustration de ne pas pouvoir figer le temps, de vivre sans s'arrêter. J'ai avalé ma montre. Tic-tac, la nuit passe. Dans le ventre, c'est demain. Toujours, c'est demain. Allongé sur la table, entre provision de vision, je m'habitue déjà aux secousses des idées folles et dans le souffle, mot à mot, revenir par devant soi, se refaire mentalement les circuits un peu nuls que je croyais dans le soir, sentir le monde au bout de moi. Demain, les éclairs, la vitesse, une brume prête à tout même à se faire dans le contraire contrarié. Là, ça sentirait la poudre et la fumée, je n'arriverais que sur la pointe des pieds, symétrique dans mes idées, dealer avec un cœur dissipé et vivre, l'air est un peu meilleur, le temps passe sur les registres, complément de nuit, c'est à peu près ça, ouais. Pire que tout, vertige, attends-moi là, vestige, la brume, l'onde, les feuillages, emblématiques trous pour tomber au dernier degré, les secondes brûlent, c'est vrai, le silence console, c'est vrai, le silence console, un souffle, les étoiles dans la tête. C'est déjà demain. Merci à tous et toutes pour cette lecture qui s'arrête ici. Génial, merci beaucoup. Merci. Wow. Merci, bravo. Ouais. Si vous, c'était incroyable. Laurent, si tu veux dire un petit mot dessus, n'hésite pas. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je suis là. Non, merci beaucoup. C'est assez émouvant d'entendre toutes vos visions et de voir comment vous avez rebondi les uns sur les autres. Merci aussi à tous et toutes parce que vous avez été très disciplinés dans les contraintes et dans les envois, tout ça. C'était vraiment très, très agréable. Voilà, c'était vraiment bien de se tenir à ce petit planning et je sais que c'était pas évident parce que même moi je me suis un peu fait avoir par ces 45 minutes. Je me suis dit, on est large, on a 45 minutes, ça va être trop, voilà. Et en fait, bah non. Donc, super, merci beaucoup, merci. Moi, je vais vous envoyer de toute façon tous les textes, la continuité, et n'hésitez pas si vous avez envie de les retravailler, tout ça, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, merci, ça m'a fait très très plaisir de partager ce moment avec vous, petit moment de confinement et d'entendre vos voix. Et on dit aussi bonjour à Shane qui nous a rejoint pour cette lecture. Voilà, Stéphanie qui a des grands moyens, qui a des acteurs et actrices à domicile. Voilà. Énorme budget. Bonjour, énorme. Bravo à tout le monde. Bravo! Merci. Et puis, on a tenu dans le temps. Là, je suis très fier de nous. Bravo. Bravo, non mais merci pour cette expérience, c'est trop cool. Est-ce que
On n'aura pas le temps de tout se passer, mais est-ce que quelqu'un a envie de faire un petit retour, de dire quelque chose? Oui, Estelle, j'ai vu que tu peignais aussi. Est-ce que tu veux... Comment tu sais? Bah, on te voit avec ton pinceau. Oh merde! En fait, j'ai noté des phrases que je trouvais trop belles. Des... Ah bah voilà, elle fait une conclusion en plus. Alors attendez, regardez. Waouh! Mmh. Ok. J'ai mis pieds nus dans l'herbe, silence, ciel infini, peau à caresser, errance, vivre, fiesta, amour. Voilà, un petit jardin déchaîné de vous. Bravo. Trop bien, c'est génial. J'ai vu que tu avais l'air inspirée pendant tout ça. En fait, j'aimais bien parce que j'entendais des mots, ça m'inspirait, du coup, ça me faisait respirer, réfléchir, rêver. Je rentrais dans les mondes et du coup, j'avais envie de mettre des couleurs qui venaient, les petites marmottes, les bouquetins, les camomilles, les sacs plastiques qui s'ouvrent et se ferment avec des trésors. C'était très mystérieux et fascinant. Bah, trop cool. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un petit quelque chose en même temps? Oui, vas-y. Avec... Moi, je voulais juste présenter mes excuses à Goulven que j'ai un peu charrié, mais s'il n'était pas là, on ne pourrait pas être là, nous non plus. Donc, merci Goulven, je plaisante. Tu peux aller faire pipi quand tu veux ou prendre des bains tout habillé, ce n'est pas un problème. Merci Goulven. Oui, c'est vrai, parce que pour faire tout ça, on a fait des répétitions les jours d'avant et ça a impliqué qu'on a fait du non-stop. Donc, à chaque fois, nos moments de pause étaient très courts et donc, du coup, mais ça oui, que les gens savent. Ok, et ben du coup, nous, on reprend dans le programme. C'est parti dans 7 minutes. On se retrouve pour des contes audio. Le premier, ce sera Jean le Chanceux. Et ensuite, on a Le Chat Noir d'Edgar Allan Poe. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir dans une heure. Et puis, on est ensemble jusqu'à ce soir, 21h de toute façon. Et puis, il y a toujours cette cagnotte qui est mise en ligne. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est pour un hôpital, un appareil respiratoire pour Mayotte. Voilà, la cagnotte ne cesse d'augmenter. On n'est pas encore à l'objectif, mais on y est presque. Allez-y, et que ce soit 2€, 3€ ou 5€ ou plus, chaque petite action fait que ça devient une grande action. Voilà, et ben, est-ce que Laurent, tu voulais dire le mot de la fin? Non. Okay. Non, je voulais parler de la cagnotte, mais comme tu l'as fait, voilà, c'est très bien. Ok, génial. Et ben, merci beaucoup à toutes les autrices et à tous les auteurs, c'était génial. On espère pouvoir retrouver le texte quelque part après pour pouvoir relire ça. Et bien entendu, vous pouvez le réécouter d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure en podcast sur notre chaîne YouTube. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon festival. Merci à tous. Merci. À vous, merci.